Bon, salut Jérôme. Quel est l'état d'esprit là? Déçu d'avoir perdu contre VP? Ouais, déçu, on est toujours déçu de perdre. Après, on n'a pas su être réellement en maîtrise. Par sur la fin du side terreau, on s'était bien repris. On arrive à. On est mené 9-2 et puis on conclut le side. On met 5 rounds sur la fin du side, c'était bien. Justement, pardon de te couper. Vous avez mis 2 rounds armés en terreau et c'est des rounds qui étaient un peu en force buy. Est-ce que tu peux juste commenter là-dessus? C'était quoi? Il y avait un faux rythme sur le side terreau au début et après ça s'est rééquilibré? Ouais, on était parti un petit peu lent et un petit peu hésitant sur le début du side. On a fait un time out qui nous a permis de trouver des solutions, donc ça c'était positif. Et après on s'était bon bah voilà, on met pas le GR alors qu'on était bon, on pouvait le mettre. Et ensuite ouais, pas en maîtrise et ouais, enfin on perd logiquement honnêtement. Voilà. Alors il y a l'action qui va peut-être rester, c'est dommage, Cédric qui tue Smith en 1v2 là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut lui dire de passer à autre chose tout de suite? Comment ça se passe dans sa tête à ce moment-là? Ah bah là il sait que dans ce moment-là de toute façon c'est difficile, hein. Il sait que derrière il part le clutch en plus on est aussi à deux doigts de mettre le Unico qu'on met pas en CT alors qu'on est vraiment à deux doigts de la mettre. Donc ouais bon ça. C'est un clutch coupé, mais ça peut arriver. Et au final, la game se joue sur plus que ça. Donc voilà. Ok, bon, vite, juste un mot sur la suite. Donc vous allez rejouer NiP, par contre cette fois en BO3. Comment vous allez aborder le match? Là, vous avez un petit avantage psychologique sur eux, tu penses? Honnêtement, un avantage psychologique, on a gagné nos dernières games contre eux. Une qui était serrée d'ailleurs sur Internet. Mais ouais. En LAN, honnêtement, eux, ils sont capables de. Au contraire, ils sont capables de bien rebondir après une défaite. Donc, avantage, je dirais non. Mais en tout cas, on a les cartes en main pour les battre, ça c'est sûr. Ok. Moi, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ok, merci.